Enola, un jour de naissance. Il fait 21,5 par 21,5. Les pages font 18 par 18. C'est un carré à la base. Alors j'ai fait des petits breloques, des pompons que j'ai fait moi-même. Rose, mauve. Un ABC. Un biberon. On n'est pas en droit. Voilà. Et il m'en manque un. Et une tétine. Voilà. Bon, si jamais tu as des petites babioles du genre des tétines en rose que tu trouves pour les... Comment on appelle ? Pour les baptêmes, on peut y ajouter. Effectivement, la gourmette de naissance, ce genre de choses, ça peut être rajouté sur la chaînette. C'est une idée que je donne. Alors. Avec un cordon en gorda. Et les doubles. Papier, ruban papillon. Et ruban organza ensemble. Je tiens la liaison avec deux mains. Ensuite, ici, tu y mettras tes faire-part de naissance. Là, c'est la première page. Avec photo de la petite famille. Il va te conserver plusieurs petites balades. Ça s'ouvre avec une clipette. On ouvre une photo. On peut y glisser ici la photo. Et ici, pareil, c'est le premier mois. Également ici. On n'a pas ici. Ensuite, on ferme. Là, premier tag. Voilà, j'ai laissé volontairement blanc parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. Pour y ajouter des photos, c'est pas forcément top. J'ai adapté cet album pour des photos genre Fujifilm, petite par 6 par 9 et 10 par 15. Ensuite, j'ai vu à Super U qu'on pouvait trouver des photos 15 par 15 que tu peux mettre dans les grands tags. Et j'ai vu aussi des pellicules, des photos genre pellicules. Ça a l'air sympa. Donc tu peux aussi agrémenter avec ça. Donc là, je t'ai fait un livret. Tu peux mettre plusieurs photos. 1, 2, il y en a 9. Ok, de part, j'arrive pas à voir le nombre de pages. Il y en a encore, et encore une page entre deux fois là. Un livret, troisième mois. Troisième mois, bébé. Là, on ouvre sur le quatrième mois. Tu trouveras une cascade. Voilà. Cinquième mois, bébé miracle. Voilà, on tourne, on est au sixième mois. Ma princesse, on enlève, ça se retire, tu peux mettre plusieurs photos. Devant, derrière, dedans. Des petites photos peuvent aussi être mises ici, ou des tags, des petits mots, comme tu veux. Tu peux mettre ici aussi. Voilà. Le septième mois, alors ici, en forme de cœur, ouverture en forme de cœur, on ouvre, on peut y mettre une photo, une grande photo, une autre photo, quatre photos, des petites photos ici, de chaque côté, des petites photos ici, 1, 2, 3, 4, pareil, pour le haut. On peut encore mettre des petites photos ici ou des grandes photos. Le huitième mois. Là, tu trouveras des nuages dans une enveloppe. Si tu veux, tu peux mettre ici pour te faire un édredon. C'est comme ton lit. Huitième mois. Donc là, hop, pareil. Encore un tag. Voilà. Le neuvième mois. Ça s'ouvre avec un cordon. Hop. Voilà.
et tu peux y mettre plusieurs petites photos. Voilà, enfin, je sais pas, une petite photo et on glisse une ici aussi également. On arrive au 10e mois. C'est tenu par une attache parisienne. Tu prends les deux et ça fait un 8 en fait, tout simplement en forme de ouvert en forme de 8. Enfin, fermeture, ça fait en forme de 8. 10e mois, hop, voilà. Là, c'est pas une cascade, c'est juste un. On pourrait mettre 8 photos, voire 9 photos, je dirais. 9 grandes photos. Là, c'est le 11e mois. Là, tu peux y mettre également une photo. Voilà. Une petite ou une grande, comme tu as envie. Hop, on retire. Là, on peut y mettre aussi des grandes photos. Voilà, tu fais ça. Ou des petits commentaires, des petites photos. Comme tu as envie. Ici, on arrive à l'anniversaire. Donc là, tu t'es mis ici. C'est la partie aimantée. Hop, 12e mois. Mettre ici. Ou comme ça, une photo à l'intérieur aussi. Une photo ici. Ici. 4 photos ici. Une photo ici. Ici. Et là. J'ai également fait. Encore pour y mettre des faire-part de naissance. Et là, tu trouveras une enveloppe avec plein de découpes.